Minister, ich weiß, dass Sie viel besser Deutsch verstehen, als Sie zugeben möchten. Deshalb möchte ich Ihnen auf Deutsch danken, dass wir wieder in diesem Jahr den deutsch-französischen Tag gemeinsam begehen können. Le franco-allemand intéresse beaucoup, intéresse surtout les jeunes, motive encore, bien au contraire de ceux qui aiment bien dire que le franco-allemand peut-être s'essouffle, ça n'intéresse et qu'il n'intéresse plus les jeunes. Les chiffres qu'on réalise à l'OFAGE montre bien le contraire, il intéresse, il motive les jeunes. C'est là que je vois un fort signal politique que je voudrais souligner. Finalement, le rôle de l'OFAGE, c'est vraiment d'offrir un cadre qui garantisse l'acquisition de compétences qui sont vraiment essentielles pour évoluer en Europe et dans un univers mondialisé, et bien sûr aussi garantir l'apprentissage interculturel, ce bel apprentissage rare qui fait que quand je découvre l'autre, j'en apprends en même temps tellement sur moi-même. Donc je crois que nous avons à y travailler ensemble cette année pour répondre à cette jeunesse qui a soif de mobilité, qui est complètement en phase, contrairement aux caricatures qu'on répand régulièrement avec le monde d'aujourd'hui. Et il faut rappeler, parce que quand on parle toujours de la chute de l'allemand, de la crise, il faut quand même rappeler qu'il n'y a que trois pays au monde, c'est la Pologne, la Russie et la France, où on apprend autant l'allemand. C'est-à-dire, quand on regarde d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Vous le savez, on a mis en place depuis presque un an le service civique. Et vous le savez peut-être pas, mais le premier pays où les jeunes du service civique français veulent aller, c'est en Allemagne. Des artistes et des poètes que nous aimons et que nous voulons faire connaître et aimer aux jeunes de notre pays vont maintenant s'exprimer. Des artistes et des poètes inscrits au cœur de l'amitié franco-allemande qui animent, grâce à votre action, la jeunesse de nos deux pays. Merci à vous. Das Keyboard ist nicht an. Aus dem Weg, ich möchte investieren. Aus dem Weg, du kannst eh nur verlieren. Aus dem Weg, ich möchte Tennis spielen. Es liegen tausend Leichen in der Stadt der Reichen. Nach außen hin ist alles gut. Und in den Flüssen fließt das Blut. Nach außen hin ist alles gut. Und in den Flüssen fließt das Blut. Es liegen tausend Leichen in der Stadt der Reichen. Tausend Leichen. Es liegen tausend Leichen in der Stadt der Reichen. Wie fühlt ihr euch heute? Fühlt ihr euch sicher? Sitzt ihr im Sattel? Fühlt ihr euch sicher? Kaum nennenswerte Gegner, kaum Widerspruch. Höchstens drei oder vier, die Hälfte davon verbeamtet. Wie fühlt ihr euch heute? Fühlt ihr euch sicher?
Extra aus Hamburg zum Konzert gekommen, für eine Hamburger Band. J'adore les groupes allemands. D'accord, et Katel aussi d'ailleurs, hein. C'était très bien. C'était un vrai concert qui bougeait à fond. Voilà. Je suis là par hasard parce qu'on m'a invité et bah, j'étais très content de découvrir ces deux groupes. Voilà, j'ai appris quelques mots d'allemand que j'ai déjà oublié. auch für deutsch-französische Mischung, das fand ich sehr angenehm. Es kommt mir immer sehr entgegen als Binationaler.